Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se trouve être un petit haul. Mais tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2016, remplie de bonheur, d'amour, de surtout la santé. Et j'espère que tous vos souhaits vont se réaliser, voilà. Donc on commence sans plus attendre. Donc j'avais fait une noce il y a une ou deux semaines. Aujourd'hui, je suis allée à Centracor où j'ai pris beaucoup de choses tout ce qui est stickers, enfin un peu de pour personnaliser. Et je suis allée à Kiabi, j'ai pris un pyjama. Donc, je vais commencer par Kiabi. Donc, je me suis acheté un pyjama taille 54-56, donc 3XL. Donc, il se présente comme ceci. Il est un peu saumon foncé, enfin saumon bien flash, il est super joli, je sais pas si vous allez bien voir, hop. Voilà, et le haut il est rond. Après j'ai acheté d'autres petites choses à Kiabi mais que je ferai pas voir en vidéo parce que c'est pour un swap et la personne regarde les vidéos. Et j'ai acheté aussi pareil des choses à Centracor, enfin une chose à Centracor, bon, quelques petites choses à Centracor que je ne vous ferai pas voir parce que de toute façon c'est pour le swap. Et donc et le haut se présente comme ceci, donc il est plus on va dire pêche, non ouais. Il est rose pâle, un peu orangé, donc voilà, très joli. Et les pyjamas de Kiabi sont très bien et je l'ai payé 14 €. Voilà, je m'en étais acheté un la dernière fois. J'avais bien aimé et là il était moins cher, donc voilà. Ensuite on passe à Noz. Alors à Noz, je suis tombée sur un diffuseur parfum avec comme ceci. Vous avez les petits bâtonnets et en fait vous mettez les petits bâtonnets dans le produit. Et ça diffuse, et ça Clémence m'en a envoyé un que j'ai mis dans la chambre et ça se diffuse très bien. Donc comme il fait pour éviter de parfumer la chambre avec trop de bougies parce que je fais le salon, mais du coup j'ai pris ça. Il m'a coûté 2,99 € et c'est à la vanille. Voilà. Ensuite mon chéri s'est trouvé un DVD parce que c'est la suite du choc des titans, donc c'est la colère des titans. Comme ceci, il nous a coûté 2,99 €. Voilà. Mon chat, il gratte les sacs, comme d'habitude. Ensuite, je suis tombée sur des magnifiques cartes. Celle-là est sublime. Je ne sais même pas si je vais arriver à l'envoyer. Donc, c'est une. Vous voyez par rapport à ma main, c'est une grande, grande carte. Comme ceci. Comme ceci, voilà. Et derrière, vous avez l'enveloppe avec écrit pour toi. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Et elle m'a coûté 1,99 €. Mais je la trouve tellement jolie. Tellement. Elle est trop belle. Franchement, ces gammes-là, je les adore. Elles sont trop belles. Ensuite, je suis tombée sur des cartes Me to You. Sauf que c'est gros abruti, excusez-moi. Donc. J'en ai pris deux comme ceci, qui étaient à 75 centimes pièce, donc vous avez l'enveloppe avec. Voilà. Ils sont trop belles. Voilà. Ensuite, j'en ai pris deux comme ça. Rien ne peut me retenir pour te dire, à l'intérieur il y a écrit « Je t'aime ». Comme ceci, comme ça. Voilà, donc j'ai pris les deux les mêmes. Elles étaient pareilles à 75 centimes, mais il y avait les enveloppes. Et par contre, ces abrutis, ils sont allés coller l'étiquette derrière, avec le prix, directement sur la carte. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever. J'espère que je vais y arriver. Ça a l'air de bien partir. J'essaie de. Je teste en direct avec vous. Ouais, c'est bon, c'est parti. Je vais enlever l'autre avant qu'il reste. Et ça, si j'achète des cartes, c'est de la faute à Mélanie, de la chaîne Happy Together. Elle envoie des cartes, elle en reçoit, du coup ça me donne envie.
même si les timbres ils ont augmenté. Et donc en fait vous avez les enveloppes comme ceci, elles sont argentées. Je sais pas si on va voir, elles brillent un peu. Et elles sont trop belles. Donc voilà. Ensuite j'en ai trouvé des grandes, grandes, grandes. Donc ça c'est la fin de ce qu'il y a pour Noz. Donc ce sont des grandes cartes comme ça. Vous voyez ma main dessus. Comme ceci. Alors elles sont trop belles. C'est tout spécialement pour toi. Joyeux anniversaire. Comme ceci. Elles sont sublimes. Me to you toujours. Et donc il y avait... Donc celle-là j'en ai pris... deux. Oui. J'en ai pris deux. Voilà. Et il y avait les enveloppes avec. Toujours pareil, argentées. Ça m'embête même d'envoyer les enveloppes. Donc voilà, mais bon. Hein, quand on aime, on ne compte pas, on envoie. Et en fait, j'en ai pris une autre. Envie de te dire, je t'aime. Pareil. Mais elle est rose. Elle est trop jolie. Je l'aime trop. For you. J'aime trop. Les cartes Me To You et leurs cartes à Noz, elles sont magnifiques. Désolée du bruit. Et enfin, pour finir ce haul, attendez, je regarde cette... Voilà, je regardais parce que j'ai pas de retour caméra, donc c'est pas évident. Pour finir ce haul, donc ça, je vous le fais pas voir. Alors, j'ai acheté du papier de soie. Alors, j'ai pas les prix dessus, donc je vais vous dire ça. Donc là, je fais voir pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Je pourrais aller... si ça les intéresse, je pourrais aller au magasin et leur faire l'avance. Et ensuite, bien sûr, les personnes me remboursent et ainsi qu'avec les frais de port. Donc, j'ai acheté du papier de soie arc-en-ciel. Donc, en fait, il y a plein de couleurs. Il y a 20 feuilles qui font 50 cm par 70 cm. Voilà. Donc, vous avez toutes ces couleurs-là. Je sais pas si on va bien voir. Vous avez du rouge, du rose, du vert clair. Enfin, vert très clair. Du vert clair, du vert foncé, du jaune un peu transparent orangé, de l'orange, du bleu foncé, du violet clair, du violet foncé, du vert encore, enfin, voilà, vous avez plein de couleurs. Et ça pour mettre dans mes soies, pour emballer des petites choses, je trouve ça super sympa, donc c'est pour ça que j'en ai pris. Et c'était à... Je cherche. C'était 1,95€ donc les 20 feuilles. Ensuite j'ai acheté du ruban. Enfin ma maman a acheté du ruban comme ceci, mais comme elle va pas s'en servir, du coup elle me l'a laissé. Donc j'ai pris ça dans les mains. Donc c'est du ruban rouge tout simple qui lui a coûté 1,50€, donc il est en satin. Ensuite, ça, je ne fais pas vous voir. Je cherche. Ensuite, je suis tombée sur du masking tape avec des strass. Donc ça, si c'est Marine, Mélanie ou Karine, ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et ça, je me ferai un plaisir. Donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est pas donné, comment dire. C'est pas donné pour le mètre qu'il y a. Donc, ça coûte 1,50€ pour 50 cm. Donc, en fait, ce sont des... Du masking tape, en fait, mais en strass. Alors, celui-là, il est violet et blanc. Voilà. Je les sors au fur et à mesure. Alors... Celui-là, il est rose clair et blanc. Voilà. Celui-là, il est un peu plus rose fluo et blanc toujours. Voilà. Après, possibilité de le découper pour, enfin, pour faire d'autres choses. Celui-là, il est tout blanc, enfin tout argenté, on va dire. Et le dernier,
Il est tout rouge. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pour projet de faire des choses un peu personnalisées maintenant. Que ce soit pour mes swaps ou que ce soit pour des enveloppes que j'envoie. Et donc du coup, je suis en train d'agrandir ma collection de stickers. Stickers et tout, parce que moi les stickers, j'adore ça. Mais j'essaie d'en chercher un peu qui sont pas bébés, donc des Disney, des choses comme ça. Parce que Disney, j'avais déjà Mimi, Mickey. Et je cherche des choses qui font un peu moins bébé. Excusez-moi, je range mes rouleaux en même temps que vous parlez. Hop. Après, je vous dirai enfin donc ce qui risque d'arriver prochainement sur ma chaîne. Voilà, j'ai fini de ranger. Excusez-moi. Donc voilà, donc, et ensuite j'ai pris des sacs en organza, donc ils étaient à 2,50€, le lot de 10, donc j'ai partagé avec ma maman, c'est pour ça qu'ils sont pas dans les paquets. Donc il y a du rose, comme ceci, du blanc, du vert, du rouge, et du bleu comme ceci. Alors ça j'en ai pris, enfin je vous explique un peu, je vous raconte un peu ma vie. J'en ai pris parce que pour les swaps, pour mettre les bijoux que j'achète dans le swap, je trouve que ça fait plus joli, plus esthétique, et ma maman les achète tout simplement pour les chaînes, les bracelets. Pas que ça s'en mêle en fait. Vous mettez un bijou par sachet et en fait ça évite que ça s'en mêle. Donc voilà. Et enfin pour finir, j'ai une tonne de stickers. Une tonne. C'est un bien grand mot. Donc j'ai cette planche là. Alors elle est rose, vert, bleu et orange avec des lettres. Alors. J'en ai une autre, donc je vais vous la faire en même temps, comme ça je vous dis les prix. Voilà. Donc celle-là, elle est violette, rose clair, rose foncé, et violet clair. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs fois la lettre M, par exemple, plusieurs fois la lettre A. Donc c'est ça qui est bien. Et eux m'ont coûté... pièces. C'est pas donné, mais ils sont tellement jolis que pour faire ce que j'ai à faire en personnalisé. Donc j'ai repris des petits papillons en 3D. Donc il y en a 10 et là ils sont blancs et noirs. Ils sont trop jolis, je les aime trop, ils font vraiment très réels, très réels. Et eux les papillons m'ont coûté 1,95€. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs comme ça en relief. Donc il y en a 20 pièces. Donc j'ai pris du violet. Voilà. Violet un peu clair. Ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Du transparent. Voilà. Du rouge. Voilà. Et eux m'ont coûté... 3D. C'est des autres. Je les trouve pas. Je les trouve pas. Ah si. Ils étaient à 1,50€ pièce donc. Et enfin pour finir, je suis tombée sur des autocollants 3D
qui était à 3 euros, non 1,50€ pièce. Donc ils sont sublimes, j'aime trop. Je sais pas si ça va leur rendre justice, mais alors c'est des petits cœurs comme ça. Voilà. Et ceux-là, je les aime trop, c'est mes préférés. C'est des petits bonbons. Et tout ça, c'est en 3D. Hein. Donc, je les aime trop. Ils sont trop bons. Donc voilà, les filles, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire donc en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller au magasin et de vous prendre ce que vous avez. Franchement, au centre accord, il y a beaucoup de stickers, beaucoup de masking tape. Et franchement, ils sont très beaux. Enfin, ils ont beaucoup de choses pour le loisir créatif. Donc, si vous en avez un près de chez vous, allez-y. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les vidéos à venir, ça sera, il y aura une revue sur les cotons démaquillants lavables de Papillon Couture, des tags, qu'est-ce que j'ai prévu, donc des vidéos swap, parce que là j'ai une copine qui est venue chercher son swap, donc elle doit m'envoyer le mien, j'ai un autre swap qui doit partir et donc je dois recevoir le mien, et donc voilà, après je suis en cours de... Je suis en train d'en faire un de swap, donc je vous dis pas avec qui, c'est une surprise. Je l'ai bientôt terminé, mais celui-là de toute façon on se l'envoie que fin mars. Et j'en ai un autre après, et après je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai un autre, c'est un swap vide placard, mais on va rajouter quand même des produits qu'on va acheter pour la personne. Donc je l'ai pas encore tout à fait commencé, celui-là j'ai juste cherché mes petits produits vide placard. Et peut-être que j'en ferai un avec une copine, mais ça rien n'est sûr, donc après je m'arrête et puis voilà. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.